Tous fans des Bleus, c'est parti. Salut les Bleus, une petite question pour vous. Pour vous demander à quel âge vous avez commencé à jouer au foot et pour savoir si vous étiez talentueux et doué dès le début. Merci beaucoup et félicitations pour cette victoire contre le Honduras. Moi j'ai tout simplement commencé à jouer à 5 ans. Je vais pas mentir. À 5-6 ans. Donc voilà, après talentueux, je sais pas. On me disait que j'étais un phénomène. À 4-5 ans, comme ça, en bas du quartier, doué. Forcément, je l'étais déjà quand on voit ce que je fais aujourd'hui. Non, je rigole. Je pense que quand j'étais petit, j'étais plus doué que je suis aujourd'hui. Bah, le problème, c'est que quand t'es jeune, tout le monde te dit que t'es bon dès le début. Non, je marquais pas mal de buts, mais voilà, ouais, 4-5 ans, 5-6 ans, par ici, à cet âge-là. C'est vrai que déjà, j'aimais bien marquer. À 6 ans, comme ça, ouais, j'aimais bien marquer, je mettais une tente devant, et je restais devant, et on me donnait les ballons, et je plantais. Non, moi, le problème, c'est que de derrière, je voulais dribbler tout le monde et aller marquer. Et tant que voilà, je faisais pas ça, j'étais pas heureux. Je marquais plein de buts. C'est pour ça que je dis que j'étais meilleur quand j'étais petit que maintenant. Aujourd'hui, pour marquer un but, il faut attendre 2 ou 3 ans à chaque fois. Tu veux dribbler tout le monde, donc t'inquiète pas, à Noël, je te donnerai ton ballon. Donc je sais pas si ça allait dire que j'allais devenir un grand joueur ou que j'allais m'arrêter un peu plus tôt. Mais en tous les cas, voilà, c'était ça les compliments que j'avais. Déjà, merci pour cette victoire contre le Honduras. Et justement, je voulais savoir, ça fait quoi une première victoire à un mondial ou peut-être à son premier mondial? Mais pour moi, c'est mon premier mondial. Une première victoire, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. On voit ce qui. Déjà, nos supporters qui étaient présents à Porto Alegre. On a vu l'ambiance, on a vu l'échange qu'il y avait avec eux. C'était magique. Et puis après, on a une pensée forcément pour vous, les supporters qui êtes en France et qui nous avez encouragés. On sait que vous êtes nombreux à nous avoir suivis. C'est magnifique, une belle émotion, de la joie, un vrai partage, un vrai bonheur. Ben, moi, c'est la première victoire à mon deuxième mondial, donc c'est une bonne question. Et non, ça fait du bien. C'est vrai que j'y pensais pas pendant le match, c'est après que je dis, mais quand même pas, toi, c'est ta première victoire à une Coupe du Monde. Et non, ça fait plaisir, mais ça te donne voilà, envie d'en gagner encore plusieurs. Le cœur, il bat fort. Si la Marseillaise, si la sono ne marche pas, on sait que vous serez là pour la chanter. Donc voilà, allez les Bleus!